السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي التلاميذ، إن شاء الله تكونوا كامل بخير. اليوم راح نديروا درس أختوغراف. On va faire la page 20. روحوا يا أطفال جبدوا قاع la page 20. On va lire ensemble un petit texte. Alors, sur le chien. Après, on va dire, je vais vous expliquer واش راح نديروا في هذا الدرس. On va essayer de comprendre les accents. راح نكتشفوا مع بعض حركات الحرف E وحروف أخرى أيضا. بسم الله الرحمن الرحيم، على بركة الله. Nariman ramène un petit chien. Il est blessé à la tête. Elle l'installe dans une pièce à l'entrée de la maison où il peut se reposer. Il est si mignon et surtout quand il lèche doucement sa patte, il guérira bientôt. Très bien. Alors, راح نهضروا على les accents. Les accents, عندنا بزاف انواع من les accents. راح نبداو هنا نفهموا مع بعضنا. عندنا le E. عندنا plusieurs accents في le E. On a l'accent aigu. ودرك نفهمكم واش معناها. L'accent grave. Et l'accent circonflexe. Ces accents, oui, نقدروا نلقاوهم. On les trouve juste sur les voyelles. Alors les enfants, les voyelles, il faut que nous نعرفوهم عند ظهر القلب. قريناهم la troisième année primaire, قريناهم في la quatrième année primaire. Et on va répéter, il n'y a pas de problème. On a, alors, Maya Mokhtar, les voyelles. Où sont-nous, Homa ? Les voyelles. Le A. Le A, le U, le I. Le I. Le U. Le U, on a. Le A, le I, le E, le O, le U et le Y. Le E, عندنا فيه عدة أنواع. عندنا le E accent grave, le E accent aigu et le E accent circonflexe. Très bien. Il faut bien prononcer les mots. Comme ça, من الخبطوش في les accents. Alors, les accents circonflexes. Bon, on commence par les accents aigus. J'ai l'accent aigu. Qui fait que je l'accent aigu? Andy, l'accent aigu. Atteni waraka. Atteni waraka. Baïva. Très bien. Regardez avec moi. J'ai le E. Le E avec Andy accent. Hedin aïtalha l'accent aigu. Aigu. Comme élève. Élève. Comme élève. Andy, l'accent grave. J'ai l'axe à l'accent. Pardon. L'accent grave, j'ai l'axe à l'accent aigu. L'accent aigu, elle est comme ça. De haut en bas, de droite à gauche, de haut en bas, de droite à gauche. Elle dit l'accent aigu. D'accord. L'accent grave, j'ai le E, Ginny, de gauche à droite, de haut en bas, de gauche à droite, de gauche à droite, de haut en bas. D'accord, c'est le contraire, l'axe de ha. D'accord. Donc, tu peux le faire notre la dictée, parce que علاش, il faut faire plusieurs dictées. نديرو بزاف لي ديكتي باش نتعلمو وقتاش نكتبو لو اي اكسون غراف اي لو او اكسون ايغو. اون بلوس عندي لو او سيركونفلكس افيك ان بوتي شابو. اون لو تروف با جوست فلو او. اون ا دي كون بو لو تروفي فلو او. اون بو لو تروفي لو او. D'accord.
On peut le trouver aussi fleu A, comme gâteau. D'accord? هذا le E complexe, comme si on a l'arabie, on dit le chedda. حرف مشدد. Tu vois, je m'as compris. Parce que حرف مشدد. Mais on ne peut pas l'écrire deux fois. Gâteau. On ne peut pas dire que c'est le chedda. C'est ça le circonflexe. Tu m'as compris. Alors, dans le cas, qu'est-ce qu'on va faire? Nous allons voir le texte. Bon, vous essayez les enfants dans vos cahiers de maison. Vous prenez le texte. Vous faites des lignes. Vous soulignez sur chaque mot les mots, le E. Le E a accent, vous soulignez. Après, on va voir. Après, on répète, on relit. Essayez de relire. Voilà. On met des colonnes. On met un tableau. On met trois colonnes. On met. Tous les mots dans le texte, nous allons écrire. Le E accent aigu. Le E accent grave. Et le E accent circonflexe. Très bien, Mortal. J'espère que jusque-là, Lana, fermé. Je m'en ai. Bon, on va faire. Non. Après, on va le faire tout seul. Même les enfants, ils disent ensemble. Ils hapsou la vidéo. Qui kharjouhad les mots. Ils hapsouhad la vidéo. On m'en bat, ils hukemlou ma'ana. Alors, rana kharjna. Par exemple, blessé. Regardez les enfants avec moi. Regardez les enfants. Blessé. Il est blessé. Il est blessé. Alors, هنا راه خطا مطبعي. راه منساو le E accent. Le E accent aigu. Pourquoi? هنا comme si راني نقول كسره. Blessé. راكو تسمعوا فيا. Blessé. Ça veut dire راني كسرتها. Le E هذاك كسرته. C'est-à-dire, où j'ai le E aigu, mais j'ai le E grave. Vous comprenez? D'abord. Alors, il est blessé, c'est bon. L'accent grave ramène. Entendez bien. Sm'ou le son, les rani qu'on fait. Ramène. Mène. Très bien. Ça veut dire, j'ai le E. Tlat. Mahbot. هبط درت له كسره هذا درت له فتحه الكسره في هذا درت له فتحه داكور alors كي ندير فتحه في لو سان سا فيدي واش يجيني لو او لو او واش من لو او لو او سيركونفلي نو لو او لو او غراف لو او غراف لاكسون غراف داكور جي دي رامين وهذا l'accent grave يقدر يكون avec le A, يقدر يكون avec le U. On va le découvrir. Alors, وعندنا l'accent circonflexe. L'accent circonflexe, جيني كيما كنا نقولو شدة. Tête. 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 لي j'ai pas شغل ما مدتوش مش كيما ramène. اني مدت. Ça veut dire درت له فتحة. Circonflexe دي عاد. نحس باللي راهي فوالا ابري بعد نفهمكم كاين دي كونسون اللي يجوا معاهم اللي يتمشاو معاهم لي سيركونفليكس كاين اللي يتمشاو معاهم لو غراف الايغو راه باين ايغو باين راني كسرت بليسي باينه لونتري باينه باغ اكزومبل هنا واش عندي غامين بليسي نو هذا بياس واش درت له لو او